Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Park Beyond. On est super bien parti pour ce niveau, regardez, 30 000 balles. Ça. Nous avons atteint un jalon sur notre route vers le succès. Prochaine étape, plus de visiteurs. Ou un seul visiteur, très riche, qui aime acheter des souvenirs. Même pas besoin de ça, regarde tout ce qu'on gagne, près de 7 000 balles par mois, sachant que l'objectif est d'avoir plus de 5 000. Et qu'il faut juste placer une plateforme anti-gravité et on réussit. Donc là, on en profite simplement pour finir les objectifs des amigos. À savoir là, vendre 1000 boules de glace. Bah vous savez quoi, on va pas s'embêter, on va accélérer. Alors je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de parking qui se construise à un emplacement qui concerne mon parc. Parce que ce serait un petit... Oh, purée de patates. Et bah voilà, là c'est le drame. J'ai perdu deux attractions. Bon, on va éviter de ça, on va éviter ça évidemment. Oh purée. Désolé, hein, mais... Oh, purée. Je vais jamais réussir à les replacer. Il est relou avec ses parkings partout, là. Ok. C'est terrible. Puis là, oui, tout était vraiment conçu pour que ça fonctionne ensemble. Et puis là, ben... Pour une fois, j'ai une idée, celui des montagnes russes. Alors, attends. Je peux dépenser à fond, mais bon, faut qu'il me reste au moins 10 000 balles, quoi. Voilà. Désolé, hein, mais bon, c'est pas moi, c'est Mlock. Laisse rentrer quand même, vous inquiétez pas, je vais tout relier. Ok. Parce qu'on va perdre des sous en plus avec la non-exploitation de nos... Voilà. Voilà. Zoomer d'un coup. Deux. Bon, on a sauvé une montagne russe. Ok.
Qu'est-ce que tu me fais là? Ok, c'est juste la sauvegarde. Oh oui, et de justesse en plus, waouh. Bon. C'est normal là que j'ai une fourche qui mène nulle part. Bon, oui, il s'en est jamais plein, après tout. Et voilà. Ah non. Bon bah tant pis. Ah non mais là aussi. Bah tant pis. Double tant pis. Je suis un petit peu maniaque normalement avec tout ça mais... Voilà, les gens vont pas tarder. Voilà. Bon, je vais en profiter pour installer des nouvelles attractions. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore? Ça, ça vient de Beyond Depth. Et donc, j'ai envie de tester. Assez stylé. Voilà, c'est bien. On fait un petit serpentin pour un truc serpentin. Voilà. Tout de suite, on va l'améliorer. Classe. On va ajouter une boutique. Ici, je vais mettre du Beyond the Death, tiens. Voilà, tant qu'à faire ici, on a des trucs aquatiques donc. Ok. Eau minérale. Ah, bah oui, de l'eau. Si on va vendre de l'eau. Après de l'eau. On va vendre de l'eau. Ouais, ça passe. Poubelle corail. Puis des bancs un petit peu différents. Là, les bancs coraux. Toilette de luxe.
Et forcément, la sauvegarde prend du temps vu la taille du parc. Et ce que je fais, c'est que je vais remettre un glacier Beyond the Depth pour vendre encore plus de glace. Ça, c'est fantasy. Il est où le glacier Beyond the Depth? Y'a pas? Ah, si, il est là. Ça rentre un petit peu dans la queue du serpent, mais c'est pas grave. Installez-vous, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Ils sont dedans du coup. Ah bah oui. Il s'éclate. Bon, attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres... Là, il va me le faire là, un moment, tu vas voir. Parce que là, on est vraiment... On commence à être encerclé, hein. Alors, poubelle. On va mettre l'autre style de poubelle. Voilà, avec l'autre style de banc. Baleine. Ok, bah baleine alors. Ok. 9000 en thunes, très bien. Il y a du sable dans mes fontaines. C'est ouf. T'en remettre une petite. Les produits de la mer. Non, ça passe pas de toute façon. Ça, ça passe. Ça, au pire. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est remettre une salle de pause. Ah, bah tiens. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre salle de pause jusque-là. C'est un petit peu dommage. Ils vont se reposer, les gars. Yes. Tout ça pour avoir des nouveaux animateurs. Voilà. J'en prends 3. Et on verra ce qu'on peut faire. Mon crayon. Je peux rien crayonner. C'est ouf. Bon. Allez, les boules de glace là. Doudoudou.
Qu'est-ce que je peux mettre comme attraction? Testri ardent, ça me dit rien. Du côté fantasy là. J'ouvre une zone fantasy. Attends, j'ai de la place partout quand même, on va pas ouvrir une zone. J'ai de la place partout, mais... Il a bien enquiquiné lui. Hein. Hop, alors. Ok. Hop. Voilà. Il y a un petit zigouigoui, mais c'est pas grave. Encore ? Waouh ! Attends, je continue et puis on verra après. Hop. Voilà. Non mais dis donc, quelle folie. Oh. Je voulais pas détruire l'arbre. Tant pis. Ok. On est à combien? 414 glaces. Fantasy, on a quoi fantasy? Racine magique. Si t'as pas les trucs, t'es pas à niveau là. Ah, j'aime pas. Mettre des poubelles hein. Ah bah tiens. Voilà comme ça. Ok.
commence à y avoir du monde dans le parc et ça commence un petit peu à saouler l'ordi. T'es sérieux? On est d'accord qu'il y a un nuage de fumée là. J'en reviens pas. Ok. Attends, ça je fais plus tard. Je vais tout déplacer là. Ah, puis il y a tous les gens qui restent en train de voler, évidemment. Ça, j'ai l'impression qu'il va se prendre un coup aussi. Désolé. Faut que je bouge tous les loulous, hein. Désolé, c'est pas moi. Je vois pas du tout de collision, mais c'est pas grave. Ça va venir de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Il y a un peu de sable, mais c'est pas grave, c'est un bateau. Là, sur la plage. Ça, c'est quoi? C'est une salle de pause? Non, c'est une boutique. Non, c'est une salle de pause, ça, de moi. J'ai un peu peur aussi. Oui, ça aussi, ça. Faut que ça bouge. Attends. Attends. Pause avant qu'il m'explose tout. Alors que je suis en train de le faire. Je le vois bien faire là. J'espère que ça va pas toucher la montagne russe, hein. Pas serein, serein. Qu'est-ce que tu me fais collision là? Ça passe. Mais les gens, ils vont mourir, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va se passer, les gens qui sont sur le passage? Ma petite étoile. Ok, alors attends. Parce que là, il va être vraiment juste à côté. Je sais même pas comment je vais pouvoir relier avec le reste du parc. Bon, je vais m'occuper de ça. Ah merde, j'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Ok, perfecto. Voilà. Sophia, aide-moi.
n'ai plus qu'un là. Ok. Beyond Extreme. Allez. Zombieland. J'en ai tellement. Ça, c'est que de la déco maintenant. Ok, allez. Allez mon piti. Ah, il sauvegarde trop souvent là. Alors attends, petite poubelle. Ok. Ça, ça va virer, hein. Faut que je le déplace. Voilà. Hop, tiens. Bon. Sans scrupule, hein. Et ah, purée, je peux même pas passer au-dessus quoi. Alors que je contourne. C'est pas grave. Hop, voilà. Attends. Fais-moi un bel arrondi. Faire que des routes comme ça en forme de saucisse. Voilà. Je vais remettre des poubelles et des bancs. Comme ça, voilà. Ok. Alors. Bien. Il faut un chemin maintenant. Vas-y, serpentinou. Comme ça, il me restera un petit bout pour passer à côté. Yes. Eh ben, quelle affaire. Attends, non. Et pof. Et bon, on a réussi à tout recaser. Et bah pas mal. C'est bon, tout est fonctionnel à nouveau. J'ai relié tout. Non. Attends, je vérifie qu'il soit pas déjà en train de faire la suite. Ça va.
Mais il pourrait sauvegarder toutes les 3 minutes quand même. Je vais finir par désactiver la sauvegarde auto. Hein. J'ai un peu peur quand même pour le dernier. Comment dire. Parce qu'à mon avis, c'est pas le dernier monde ça. Hein. On va devoir construire dans les airs à la fin. J'imagine. Ah oui d'accord, je suis en hauteur comme ça. On va faire comme ça. Et puis voilà. Alors là, il y a un manque de poubelles flagrant. Variant les styles. Ok. Bon, j'ai réussi à tout recaser. Il y a un incendie. Alors, attends, parce que j'avais des amuseurs. Voilà. Hop, mes nouveaux amuseurs. L'homme de Vitruve. Empereur Sunday. Il me faut l'empereur Sunday. Saviez-vous, on ne dirait pas comme ça, mais ces déguisements sont en fait aussi comestibles qu'ils en ont l'air et absolument non toxiques. En revanche, comme les bonbons, ils n'ont aucune valeur nutritionnelle. Okay. Ces déguisements de promeneurs sont en fait alimentés par un moteur mécanique à remontage automatique qui défie les lois de la physique liées au mouvement perpétuel. J'avais juste envie d'un défi supplémentaire. Allez, encore 44 glaces. Ces déguisements sont dotés d'un chauffe-eau pleinement opérationnel. Il ne sert à rien et pèse très lourd, mais Phil tenait au réalisme. Qu'est-ce que... Ça va pas du tout. C'est censé tirer par là, papa. Ça bug un peu. Bon, tant que les gens viennent. Allez, encore 18 glaces. J'en profite pour faire l'attraction, tiens. Allez. C'est bon. Ah ouais non, il a du... Il a pas trop aimé le déménagement. Les autres sont encore en train de... Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Ah, c'est un nounours, j'ai eu trop peur. Il est dégueulasse ton nounours, c'est une dinde. Mais quel enfer! Ah. Très bien. Objectif d'équipe atteint, donc on va pouvoir faire le dernier objectif d'équipe qui est d'avoir 3 attractions à plus de 165 km/h, si j'ai bien compris.
sais pas trop comment on va pouvoir faire, hein, mais bon. Si on en fait une et qu'on la duplique. C'est quand même salaud, hein, les foutre comme ça, là. Ils sont vraiment en train de quadriller le terrain. Hein. Alors, attends. Tac. 6 décembre. Ok. Du coup, ce que je peux faire, c'est changer le prix des classes. Éditeur. Ah, c'est pour modifier le groupe d'objets. Ok. Je sais plus à combien elles étaient de base. Pas genre prix de base. Voilà. Ben y a du monde, hein. Bon, avec tout ça. Nouvel incendie. Nouvelle attraction. Il y a trop de trucs à faire. Attends, ici c'est plus fantasy. Poulet agité, non, c'est Chicken Run. Vire en quad. Il y a pas un truc fantasy là, un truc fantasy. Thème. Il y a que ça, d'accord, super. Un truc qui pourrait faire fantasy. Les ruines mystérieuses, allez, zou. Tout qui brûle ici, hein. Ça c'est aquatique mais ça va très bien. Non c'est pas aquatique. Je sais plus ce que c'est. Mais ça va très bien avec le thème fantasy. Carte de densité. Boisson, nourriture. Ok bon alors. Est-ce qu'il y a des boissons que j'ai pas encore utilisées? Thème. Parce que là on commence à avoir trop de trucs. Fantasy. Énergétique, c'est pas aimé par tout le monde. Hein. Hmm. C'est un peu plus consensuel les sodas. Et en nourriture, pâtisserie ou pomme d'amour? Pomme d'amour. Ouf. Ah oui, c'est une tour carrément. Très bien. Ah bah voilà, d'autres styles de salle de pause. Pac-Man. Attends. Ah. Oh, ça passe en gros, ça passe. On va dire que ça passe. Je vais fermer les yeux un petit peu. Ok. C'est bon, on est début décembre. On va pouvoir se lancer dans la dernière... Ça dit, je peux le faire déjà maintenant. Hein. Je suis sûr que c'est 165 km/h là, le délire.
C'est un pic de 65 km/h. Un moyen pour pouvoir l'atteindre facilement. Bon, je vise pas la rentabilité, donc qu'importe la taille de la station de base. Ok. Première chose. Vitesse de lancement 100. Ensuite, non. Reprends ça. Normalement. Si je fais des double hélices sur double hélice sur double hélice sur double hélice. Alors ce qu'il y a c'est quoi là? Faut que tu... Voilà. Ah, il ralentit. Faire une hélice géante. Vas-y, va un peu plus vite. Bah ça accélère, mais ça accélère pas ouf quoi. Je fais une chute à moins 40 mètres. Ça te calme ou pas? Ouais, trop de farce, trop de force latérale, trop de farce. Parce que là je suis perdu dans le... Vas-y, tu peux le faire. Allez, main Toto.
Il termine pas le truc? Moins 70 mètres là. Je vois pas où il déraille. On va remonter après, hein. C'est relou, hein, cette affaire. J'y étais presque en plus. Sinon, je fais une chute et puis boum, hein. 67. Juste que je m'occupe de... Ouais, bon. Non. On va faire autrement. Pic de vitesse supérieur à 165. Ouais, bon. C'est la dernière mission. Faut qu'on la réussisse. Comme ça, on finit le chapitre. Allez. Aussi. Si lui sort de la zone de jeu. Hop, 72 mètres, ça te va? Je vais te faire un truc, là tu vas regretter. Vas-y. On y est. On n'est plus à la fin. Pour que ce soit sûr, faut que je fasse quoi? Faut que je le courbe dans le bon sens en fait, comme ça la force latérale va pas l'envoyer valdinguer. Vas-y.
attends. Je peux pas faire un frein là-dessus, ça sert à rien. Dans quel sens dois-je le tourner ? Je crois que le moindre petit virage là, cette vitesse là, forcément. J'ai l'impression qu'il va un peu plus loin quand même. Allez. Ah voilà. Et là je mets un frein. Si je pouvais mettre un frein juste avant la fin. Attends, parce que déjà, peut-être trop courbe aussi là. Ah là, c'est pas mal. Voilà. Ça freine ou pas là? Je vais devoir faire des trucs de frein de ouf. Mais non, il rentre pas en collision. Arrête tes bêtises. Tu mens. Allez. Viens jusque là. Yes. Ah bah tu vois, ça freine trop cette fois-ci. Voilà, on peut arrêter de mettre des freins du coup. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si je le copie deux fois, ça se trouve, pouf, ça va fonctionner. Eh. On ne passe après, hein. Ils nous ont fait suffisamment galérer avec les montagnes russes. Donc c'est, ok, on est bon. 190 km/h, hein. Je l'ai bien dépassé le 165. Comète. 120 km/h jusqu'à la lune. Grand frisson. Hop, accroche. Non, accroche.
Étoile filante, voilà, très bien. Zou. Attends, mon petit loup. Hop. Alors, comment je fais? Parce que là, j'ai pas 36 000 passages. Alors, attends, hop, non. Bonjour Clément. C'est dur le réveil. Alors, je vais le faire rentrer dans mon attraction. Ça va le réveiller, tu vas voir. Bim. Voilà. Là, on est bon. Alors. Je lui parle comme s'il avait 2 ans là. Bonjour Clément. Quand il est pas réveillé en même temps. Hop. Voilà. Ok. Question bête, mais est-ce qu'il n'y a pas des plans dans lesquels tu as des... Il n'y a pas les infos, c'est con. Elle est rigolote celle-ci. Quand elle redescend, elle arrive à... Bon, attends. Cloner. En vrai, si ça fonctionne, je vais pas me priver. Parce que bon... Je l'ai fait une fois, ça change quoi que je le fasse 3 fois. N'est-ce pas? Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, forcément, là... Pour le vérifier, on va faire un chemin. Deux. Yes. Oh, écoutez, hein, bon. Tu as trouvé une petite place. Il y a une place dans ce parc. On aura un peu roulé quand même sur ce niveau, hein. C'est assez ouf. Allez. Ah voilà. Regardez. On va prendre 2 secondes. Zoup là. Boum. Toutes mes félicitations. Du coup, j'ai tous les trucs d'équipe. Oh, je gagne 12 000. Oh là là, mais quelle richesse. Objectif d'équipe, plus d'objectifs d'équipe disponibles. Quel beau gosse. Et du coup, là, notre ami... M-Lock, on va bien le... On peut en mettre tellement plus en plus des trucs. Voilà. J'ai vraiment cru que je vous avais eu. Que je vous avais vaincu.
pour une fois. Pff, tu rigoles. Je serai toujours un peu meilleur que vous, Hemlock. C'est pour ça que vous avez quitté l'entreprise, n'est-ce pas? Car vous vous pensiez meilleur que moi. Ah non, ça n'avait rien à voir du tout. J'aspirais simplement à d'autres choses. Ce que vous faites avec vos parkings, vous êtes doué pour ça. Eh bien, je suis en effet plutôt fier de mon travail, je l'avoue. Mais moi, ça ne m'intéressait pas le moins du monde. Je ne suis pas partie à cause de vous. Je l'ai fait pour moi. Et j'ai dû travailler avec vous pour savoir ce dont j'avais besoin. Je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Cela étant dit, il faut avouer que vous n'êtes pas très chaleureux, Giles. J'ai été vraiment stupide. Pas vrai? Oui. Je pense honnêtement que c'est notre cas à tous. Non. Parlez pour vous. Je n'ai pas bougé d'un iota. Vous avez bien vu les attractions que vous nous avez laissées construire? Oui, touché. En y réfléchissant, on aurait dû s'associer dès le départ. Je veux dire, les parcs d'attractions ont besoin de parking. Et vous en avez plus qu'il n'en faut. Ah, mais c'est bien le problème. Il va nous en falloir absolument partout. Comment? Les plateformes peuvent voler? De toute évidence. Bravo, Sophia. Juste au cas où. Que personne ne décroise les doigts. Vous allez nous créer un parc d'attractions volant? Jamais je n'aurais pensé à construire un parking qui vole. C'est sûrement mieux ainsi. Après tout, comment feraient les gens pour retrouver leur voiture? Qu'en dites-vous, Giles? Je ne sais pas où nous irons, mais il va nous falloir de grands parkings. Voulez-vous redevenir un partenaire commercial? Ah non, c'est fini. Il n'y a pas de dernier... C'était la dernière mission. Je pensais qu'il y avait une mission dans les airs, tu vois. Eh ben, on a fini le jeu. Si je m'attendais. Bon, c'est... en tout cas, c'était une mission vraiment très intéressante pour terminer. Parce que, ben, on avait vraiment un max d'impossification. Et je pense que c'était volontaire, du coup. Ça, c'était facilité par les plateformes qui, effectivement, montaient l'émerveillement des gens. Et du coup, ça remplissait le crayon tout le temps. Ce qui fait qu'on pouvait impossifier littéralement tout. Alors, c'était peut-être d'ailleurs un petit peu trop fort. Mais en tout cas, c'était un jeu sympathique. Il y avait de bonnes idées. Il n'est pas hyper original, mais il était assez rigolo, notamment pour l'originalité des constructions des montagnes russes et des attractions qui défient les lois de la gravité et de la logique, aussi par moment. Et de la sécurité très souvent. Bah, j'espère que ça vous a plu, du coup, de découvrir ce let's play. Je verrai, peut-être que je lancerai un petit bac à sable, un de ces quatre en plus. Mais je crois qu'on n'a pas de mission supplémentaire pour la campagne avec le DLC. Auquel cas, je les ferai. Sinon, on considère ce let's play comme terminé. Et je verrai un jour si j'y reviens pour du bac à sable, comme je vous le disais. Mais on a tellement d'autres jeux à faire que pour l'instant, on va le laisser se reposer un petit peu. Allez, on remercie tout le monde. Je peux accélérer. Allez, on va décider. Oh oui, merci beaucoup à tous. Ouais, il y avait beaucoup de gens quand même qui. Ouais, oui, beaucoup de gens. Oui, j'ai bien fait d'accélérer en fait. Les Français, les Italiens, les Russes aussi, tout ça. Et ben. Ah oui, quand même. Continuez la campagne. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis ou pas? Suspense. Peut-être qu'ils en ont rajouté en fait avec les DLC. Hein. Faire des parcs à thème. Ah bah oui, voilà, je me disais aussi. Alors du coup, c'est une carte bonus quoi. C'est drôle. Oh, faudra quand même qu'on la fasse. Faudra quand même qu'on fasse rien que cette carte-là pour le délire, quoi. Le cache est impossifié. Incroyable. Je peux faire littéralement ce que je veux. Oh, si, on fera ce petit niveau parce que c'est rigolo. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce let's play de Park Beyond. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouvera quand même pour construire un parc un petit peu foufou dans les airs. Ciao.